renseignements, je vous ai dit, nous on voulait ce genre de rencontre, une équipe qui allait être. Je ne sais pas si on aurait joué une équipe qualifiée pour la CAN, si on aurait eu autant d'intensité, autant d'agressivité, parce que voilà, les équipes ont peur un peu de se blesser. Donc là, on a eu une vraie opposition, malgré que c'est une équipe nationale du Togo locale, malgré que cette équipe n'est pas qualifiée, le Togo n'est pas qualifié en Afrique. Ça ne veut rien dire. Des fois, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de qualité en face. Il y a de la qualité. Je connais des sélectionneurs qui, avant des compétitions, qui ont gagné des compétitions intercontinentales, des CAN, ne jouaient jamais leur match amicaux. C'est pas copié que je fais. C'est les circonstances qui ont fait ça. Mais ils ont été champions d'Afrique tout en faisant leur match amicaux pour des équipes qui n'étaient pas qualifiées. Donc aujourd'hui, on a eu une équipe accrocheuse qui avait envie de se montrer, qui avait envie de courir, une famille qui nous a rendu les choses difficiles de par leur organisation tactique, en étant très bas, en étant regroupé, un peu d'espace. Donc en ça, c'est un vrai exercice de trouver des situations, de trouver des situations de marquer des buts. Et généralement, plus quand c'est comme ça, il faut faire attention aussi à tout ce qui est contre, une transition rapide. Donc c'est un deuxième exercice encore, il faut faire une vigilance. Donc ça, il y a des satisfactions. Sans parler de l'aspect athlétique, je voudrais répéter, qui est très important, qui va être pour moi une clé lors de la CAN, sur laquelle on a beaucoup travaillé. Donc voilà.